Bienvenue. Chaque jour, il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MagNews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Le tournage du reste du monde est désormais terminé. Et pour fêter la fin de cette aventure, W9 a dévoilé le casting de l'émission, comme vous pouvez découvrir ici en vidéo. Pour le coup, il y a beaucoup plus de nouveaux que d'anciens. D'ailleurs, parmi les candidats emblématiques du reste du monde, il y a beaucoup d'absents. C'est, par exemple, le cas d'Ilona, Marine Elimer, Julien Berthe ou encore Mia Jasmine. Cette dernière n'aurait même pas été contactée par la production. Forcément, elle est déçue, mais visiblement, il y a autre chose qui ne passe pas pour la jolie brune d'après les informations du compte Instagram @skirestv. Mia Jasmine n'aurait pas apprécié ne pas avoir été invitée pour l'enterrement de vie de jeune fille de Laura Lampica. Sur le réseau social, on peut lire la raison pour laquelle Mia Jasmine est énervée. Je pense que c'est parce qu'elle n'a pas pu participer à l'enterrement de vie de jeune fille de Laura. C'est un scoop que je vous dis là. Elle semble être déçue. En même temps, pourquoi faire venir Greg pour Nicolas, mais pas faire venir Mia, la plus ancienne du RDM, pour Laura? Mia Jasmine et Laura Lampica en froid? Pour le moment, on ne sait pas si la déception de Mia Jasmine a réellement un rapport avec l'enterrement de vie de jeune fille de Laura Lampica. En tout cas, à la rédaction de Melty, on a fait notre petite enquête en nous rendant sur Instagram, et on a pu constater que les deux jeunes femmes se suivaient toujours sur le réseau social. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on imagine que si Mia Jasmine avait une dent contre sa copine, elle ne devrait pas perdre de temps avant de le faire savoir. Quant au tournage du reste du monde, elle devrait aussi prendre la parole pour évoquer cette absence, qui ne semble pas être une décision de sa part.